lance-toi, et nous t'aiderons, nous disent les enfants qui pratiquent les jeux du cœur. Dès le départ, c'est eux qui nous ont poussés. Dès le départ, c'est eux qui nous ont dit « Allez, vas-y, crois en toi. Nous, nous sommes là, nous sommes prêts, nous avons envie d'agir, nous avons envie d'être là, de vivre autre chose. » Ces jeux du cœur nous font du bien, nous le sentons tout de suite. Ces jeux du cœur, ils nous apaisent. Ces jeux du cœur, ils nous permettent de nous révéler à nous-mêmes. Ils nous permettent de mieux vivre ensemble. Alors oui, oui, nous sommes capables. Simplement, il suffit de regarder un bébé dans une poussette. Il suffit de s'approcher de lui et de regarder et de ressentir son amour. C'est un acte naturel. Peu importe les cultures, peu importe où nous nous trouvons, toutes les personnes, quel que soit l'âge, y compris les enfants, quand on voit un bébé, on se dirige vers lui. Naturellement, il y a un sourire qui s'épanouit dans notre corps. Il y a un sourire qui s'épanouit sur notre visage. C'est tellement bon de voir un bébé. Et nous avons tous été des bébés. Nous avons tous en nous cette mémoire exceptionnelle dans nos cellules. Nous sommes donc tous capables de jouer au jeu du cœur. Nous sommes donc tous capables de révéler, de réveiller cet enfant intérieur qui est là, qui appelle « Oui, vas-y, lance-toi !» Nous t'aiderons. Alors, nous avons créé les Jeux du Cœur. Nous avons pris le temps, au sein de l'ONG Paix et Bienveillance en Action, de rechercher, partout dans le monde, des personnes qui ont bien voulu pratiquer ces jeux, qui ont bien voulu devenir des experts. Et actuellement, avec plus de 500 000 enfants, jeunes, associations, communautés éducatives dans le monde, nous pouvons vous dire que les meilleurs experts, ce sont les enfants. Alors nous vous invitons à rejoindre un groupe Facebook qui vous permettra à vous aussi de réveiller ce bébé, cet enfant intérieur que nous sommes tous, afin de vivre autrement, de vivre dans la joie, de vivre dans le partage, de vivre dans la relation saine avec nous-mêmes, d'augmenter la meilleure partie de qui nous sommes et de lui dire « Allez, vas-y, lance-toi, tu le peux, tu es capable ». Tu es capable de créer des merveilles autres que ce que nous voyons tous les jours. Allez, vas-y, lance-toi, fais ce premier pas. Respire dans le cœur. Ose regarder l'autre avec un a priori de bienveillance. Vas-y, lance-toi. Nous t'aiderons.